Ok, donc la question de Daniel, Internet, l'iStore. Comme Asher viendra, ça sera un nom qu'on ne pourra pas prononcer comme les noms d'Avodazara. Les grands ont dit cette génération qu'à l'époque il y avait le Yessara de Avodazara, aujourd'hui c'est Internet, c'est la même chose. Et c'est la grande épreuve de la fin des temps. Et on voit, jamais eu de débauche comme il y a aujourd'hui. Jamais. Et Internet y est pour beaucoup. Alors la question de Daniel est plus précise. Elle est, Daniel pose la question, ok, nous les hommes, qu'on a une tendance de pulsion vicieuse, sexuelle, plus prononcée d'habitude que les femmes, j'entends. Mais une femme, ça va, c'est gentil, elle regarde sur Internet des recettes de cuisine, elle parle avec sa grand-mère avec Skype, d'accord, comment on appelle ça, Skype. C'est pas si grave, elle monte les photos par... La halaké du gosse à sa grand-mère qui habite Miami, c'est bien. Non, c'est pas bien. Le Rav Hozner, à Bnei Brak, a dit « Mon bureau est imbibé de larmes, de couples, qui ont dû se séparer, parce que la femme a été impurifiée, elle a connu un autre homme, par Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de cas de femmes innocentes qui ne sont pas allées chercher l'homme. Il y a des femmes tordues qui cherchent l'homme, mais non, il y a des femmes bien, innocentes, qui sont tombées dans le panneau. Elle est avec son mari depuis 10 ans, la vie est dure, c'est un peu monotone. Tout quelqu'un qui lui fait un compliment que son mari n'a jamais fait. Il n'y a aucune arrière-pensée, c'est juste gentil, on discute un peu. Et il dit, je veux une femme remarquable. Ça fait 10 ans depuis le chidour, depuis le fiançailles, depuis un mois après le mariage, que son mari n'a pas dit que c'est une femme remarquable, rien que des critiques. Elle continue, elle ne pense pas à des choses mauvaises. Elle se fait appâter lentement. Lui en face, ou bien c'est un manipulateur, il y en a beaucoup, ou lui aussi, il est innocent. Mais un innocent qui a découvert un autre innocent, et un troisième associé, le Yetzer Hara. Ça débute par pas grand-chose, comme au travail. Combien de femmes super tsniout, super religieuses sont tombées dans le cadre du travail avec le boss? Et le boss, on a une sorte de respect et d'admiration pour lui. Et on vit très proche de lui dans l'affaire. Il y a des tensions. Les tensions se rapprochent. L'armée en Israël, dans les unités d'élite, on leur fait un guibouche. C'est quoi un guibouche? Guibouche signifie unir. Comment on fait pour unir maintenant? Il y a une équipe maintenant, voilà, il y a une équipe de commando, ils sont 12 soldats. On veut qu'ils soient super unis. On leur fait 3 jours d'entraînement, l'enfer. Conditions insupportables. Ça unit. Quand on est ensemble dans des malheurs, ça unit. Dans, au boulot, on est en pression ensemble. Donc on a réussi à faire. C'est tout juste, les deux on crée de joie. Ensemble dans le bureau. Ça rapproche. Et puis elle voit son mari 2 heures de soir par jour. Elle voit son boss 8 heures par jour. Ça rapproche aussi. C'est indéniable. Et le boss, lui, là, sa femme et ses enfants, il pense à rien. Elle aussi, son mari et ses enfants, ne pensent à rien. Mais il y a une relation qui... cachère. Le passage entre non cachère et cachère, c'est un cheveu. On ne sait pas quand ça aura lieu. Ça arrive de façon inopinée, inattendue. Et patatras. On sent tout à coup, il y a un truc qui est passé. Et c'est d'habitude réciproque. Puissant, violent, comme on ne vit pas avec son conjoint, tout dans l'imagination. C'est du mal. Le mal est très fort au niveau des sensations. Il est beaucoup plus fort que le vrai. Le vrai peut être très grand, beaucoup plus fort, mais il est fruit d'une construction. Là, c'est du gratuit, c'est rapide. Et la femme, surtout, ou l'homme aussi, il ne comprend plus.
peut pas faire ça, mais il commence à sentir en lui des sentiments bizarres. Comment ça se fait qu'il est attaché plus, quelque part, à cette personne-là qu'à son conjoint? Après, ça devient une évidence. Et ça se déclare. Et ça tombe dans le panneau. Et combien il y en a comme ça? Des centaines de milliers. Centaines de milliers. L'argument contre que tout le monde a, moi, ça n'arrivera pas. C'est comme sur la route. Limité à 110. Tu fais du 120. Du 130. Et un risque de te faire avoir, et un risque. Pourquoi tu continues sur 130? Moi, ça n'arrivera pas. J'ai déjà fait plusieurs fois, Baruch HaShem. Jusqu'au jour où, tac, tu te fais pincer. Deux, trois mois après, tu fais attention. Puis après, moi, ça m'arrivera pas, ça revient. Ils ont fait ici, c'était il y a 20 ans en Israël, un jour de contrôle sur la route, et ils ont fait un grand truc médiatique sur les radios, télévisions. Moi, ça m'arrivera pas. Ils attrapaient tout le monde. Tu vois, ça t'est arrivé. Chazal ont dit En apotropos la rayot. Il n'y a pas de garantie au niveau des interdictions sexuelles. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Tout le monde peut tomber. Al ta'amen batmecha de montra, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, disent Chazal. Sur ce point-là, ils connaissent ce Yetzer. Ça peut attaquer chacun de nous. Chacun de nous, il faut une puissance de raison colossale pour ne pas tomber dans, quand ça arrive, pour ne pas tomber dans le panneau. Et c'est presque impossible. Que ce soit une femme ou un homme travailler avec une femme. Ils ont dit tout faire pour ne pas être dans un cadre de travail où il y a une proximité, c'est interdit. Et même où il y a vraiment toutes les lois de Tzinout, tout ça, c'est déconseillé. Déconseillé. Combien de femmes m'écrivent? Je sais pas comment. Quand j'en parle à mon mari, ça l'énerve. Il dit que je n'ai pas confiance en lui. Mais il a une secrétaire. Mignonne. Dans des cas même non juifs, ça veut dire que pour elle, pourquoi pas? Je m'inquiète. Qu'est-ce que je lui dis? Ne vous inquiétez pas, deux ans après elle m'appelle. Elle a trois enfants déjà avec mon mari. D'accord. Alors, inquiétez-vous, qu'est-ce que je peux. C'est inquiétant. C'est super inquiétant. Alors, inquiétez-vous, le mari il va dire, mais qu'est-ce que je fasse? Il faut bien une secrétaire, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Qui cause des sacrifices terribles, ça veut dire des millions d'enfants. Quand je dis centaines de milliers, c'est de couples, c'est-à-dire des millions d'enfants qui voient papa et maman qui étaient leur seul repère, leur sécurité, leur tout, leur monde. Boum badaboum. À cause d'une bêtise. Moi, ça ne m'arrivera pas. Je le racontais souvent. Rabbi Akiva, par 71, traité Kiddushin, se moquait des pêcheurs. Crétin. Pour un moment de plaisir, de rien, un peu de viande. Tu perds ton olam haba. Tu bousilles tout. Se moquait des pêcheurs. Et Sarah a dit, ah, comme ça on va te voir. C'est l'église en Miss Monde, Miss Univers de tous les temps. En haut d'un palmier. Non, lui c'était oui, en haut d'un palmier. Hello, d'accord. Eshli, Keshla, et machin. Rabbi Akiva, il voit ça. Quel âge il a, Rabbi Akiva, à ce moment-là? Rabbi Akiva, il a fait tout à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, il s'appelait Akiva. Après, pendant 40 ans, il suit la Torah. À l'âge de 80 ans, il est devenu Rabbi Akiva. Il est mort à l'âge de 120 ans. Donc cet épisode, on ne sait pas quand il a lieu, mais il a lieu entre 80 ans et 120 ans. Il a une longue barbe blanche, des lunettes super épaisses, un dentier et sa canne. Il fait « Hello, hello hein? !» Cling.
Il n'en voit pas ses oreilles, il regarde ses yeux, d'accord. Il regarde, waouh, il se met à courir. Rabbi Akiva, que Moshe Rabbeinu est monté au haut du mont Sinaï, et une génération à venir, il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Dieu, Dieu, tu es un homme comme lui, tu transmets la Torah par moi, lui mérite plus que moi. Et Dieu lui dit, c'est vrai, il mérite plus que toi, mais je disais que c'est toi Moshe et pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est plus méritant que Moshe Rabbeinu. Il voit la bonne femme, il envoie sa canne, il envoie son dentier, il envoie ses... il commence à grimper sur le palmier. Hachem a eu pitié de lui, il a dit, non, t'as été trop fort, etc. Lâche-le, sa Torah le protège. Mais si ce n'était l'intervention spéciale d'Hachem, il tombait dans le panneau. Alors comment nous, les nuls de nuls que nous sommes, on va sur le ring du Yetzerara, tu allumes internet, t'es rentré dans, t'es sur le ring, moi ça m'arrivera pas, ok, mais tu vois, tac, lui tombe, moi ça m'arrivera pas, c'est quoi cette histoire là, donc au jour où on tombe, trop tard Balthazar, une fille de séminaire, ici à Ramoth, son mari avec la voisine, un Ben Torah, chat. Et les femmes, bien sûr. J'en ai qui m'écrivent. Shem Yishmor. Ça peut y avoir aussi des problèmes aussi au Shkafa. Par exemple, ça n'encourage pas les femmes à être trop snoot. Ça t'enlève de voir des femmes peut-être qui ne sont pas snoot. Les vestimentaires. Aussi, tout. Internet, c'est quoi? C'est la poubelle du monde. Tu sais que tu mets ton nez là-dedans. En plus, maintenant, les grands de la Torah ont dit interdit. Qui va oser aller contre eux? Propre, mais non. Ça prend les proportions. Hein? Comment ça se fait qu'ils ont tardé autant alors que depuis 10 ans déjà ça s'est fait? Le problème, c'est que d'abord, ça prend aujourd'hui des dimensions colossales dans la débauche. Et il y a un problème, c'est que Internet fait partie aujourd'hui de la vie courante. Donc. Prendre une décision pareille, c'était vrai. Parce que maintenant, il disait que c'est pas bien, etc. Mais là, maintenant, ils ont fait une grande campagne de halte, en Amérique aussi, hein. Même en Amérique. Je crois qu'ils ont fait 60 000 personnes qui sont venues, ils ont parlé, un grand trou, un grand stade. Voilà, pour. Peut-être que c'est nouveau que ça touche le milieu charidi. C'est vrai que c'est nouveau. C'est nouveau, ça rentre dans le milieu charidi, c'est vrai. C'est vrai que le monde non orthodoxe fait longtemps qu'il est exposé à ça. Le monde orthodoxe commence à exposer. Ils sont toujours un peu en retard au niveau de la modernité. Et ça commence à rentrer avec ses effets terribles. Terribles. On me dira, alors pourquoi vous êtes sur Internet? Très bonne question. On a demandé le Rav Shtelman. Je l'ai demandé, mais j'ai quand je suis rentré là-bas, j'ai demandé une autre question. Mais celui qui m'a accompagné m'a dit que la même question a déjà été posée il y a 20 ans. Il y avait un rabbin, on lui a proposé de faire des émissions à la télévision. Télévision, c'est la même chose. Pour le monde orthodoxe, c'est super tamé. Alors, Shimon a répondu, tu peux y aller. Quand quelqu'un est dans les toilettes, et du coup, il a une crise cardiaque, et il tombe sur ses excréments. Il est plein d'excréments partout. On appelle les SAMU, d'accord? Ils rentrent dans les toilettes, ils vont le sauver, ils rentrent. Dans l'excrément, ils rentrent. Pas nous aussi. Tu rentres à la télévision, tu rentres dans Internet, tu peux aller pour sauver du monde. Mais chas et shalom, que quelqu'un achète Internet pour avoir des cours de Torah, en aucun cas. Les SAMU, il va servir. C'est un exemple. Nous, quand on fait l'Internet maintenant, il y a Baruch Hashem, t'as rien. Ils vont à la télévision. Hein? Celui qui va à la télévision, en général, il est sur un plateau de télé, c'est un jour. Je ne vois pas Brandeis ici, on est déconnecté. Non. Celui qui va à la télé, le rabbin qui vient, on lui fait. C'est une émission de rabbin, c'est pas une émission de je ne sais pas comment on appelle ça, d'accord? Mais c'est une émission clean. Il rentre, il sort. Proprement, c'est vrai. S'il y a un problème, il n'ira pas. Il ira une fois, après il dira non, stop. Même l'ordinateur. Chez moi, ça n'existe pas ordinateur. Chasse shalom. Je comprends pas. Vous êtes super maintenant, surtout Internet, Facebook, Twitter. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord, pas qu'on est là-bas, Twitter. Et oui, il y a beaucoup de sortes d'égouts. Internet, égout, Twitter, un égout, Facebook, un égout. Ma maison, c'est pas un égout, ma maison, c'est ma maison. Donc, il faut bien nuancer entre les égouts et la maison. La maison, on ne met pas les égouts dans le salon. Non, les égouts dans les égouts.
Alors une fois que les grands de la Torah, ils ont dit non, qui peut aller oser dire oui? Abraham Kanievski, on va parler des films, d'accord? J'ai mis une annonce ici. Il a dit, ça amène tous les malheurs du monde. Ça manque? Je fais une liste maintenant, non exhaustive. Cancer, la histoire. Divorce déchirant, la histoire. Contrôle fiscal déchirant. Accident de voiture déchirant. Noyade déchirant. Incendie déchirant. Ça manque? Amputé? Ça manque? Ça manque de problèmes? Ça manque des problèmes? Moi, ça m'arrivera pas. Ils ont besoin de plus d'arguments rationnels. Expliquer vraiment quel est l'impact sur la personnalité de chacun. Parce que dire des arguments pareils, ça ne va pas sur tout le monde. Les gens n'acceptent pas forcément. On dit plus rare, on est dans un imaginaire, en regardant des films, tout ça. On parle des images sidérantes, ça veut dire quelque chose, hein. Des images sidérantes qui marquent la personne. Moi j'ai un exemple comme ça, je suis passé à Genève il y a quelques semaines. Une famille genevoise, elle avait la télé allumée, une série américaine, on voit un couple qui se jette par la fenêtre. Trois fois rien, jette par la fenêtre. Ben, l'image, elle subsiste. Je vais raconter le Rav Elbaz. Rav Bloch me raconte, Rav Bloch qui fait des séminaires. Une fois, ils ont pris le Rav Elbaz en France. Elle n'avait jamais quitté Israël, le Rav Elbaz. Ils sont dans l'avion. Ils sont en train de parler, les deux. Puis sur l'écran, il y a un film. Alors, évidemment, ni Rav Bloch, il regarde pas le film. Mais comme ça, de temps en temps, il voit des scènes. C'est comme ça, il hurle comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type a foulé un coup de poing à l'autre. Chaque fois, il saute comme ça. Il est propre. Où tu vois le type mitraille, ta-ta-ta-ta-ta, pour il mort, ça n'a rien du tout, on s'en fout. Mais il aurait eu un coup de poing dans la tête de l'autre. Chemiche mort, d'accord. Chemiche mort chaque fois comme ça. Il est propre. Nous, on est. Alors demain, maintenant, quelqu'un est embête. Écoute, tu continues, je t'envoie une, d'accord. Et tu l'envoies. C'est pas chemiche mort. T'es habitué. T'as eu combien de centaines de milliers de scènes tordues dans ta tête? Bien sûr, c'est clair. Je racontais même. Même national, c'est un cours que j'ai déjà fait sur Internet. Même national, géographique. Ma femme m'a dit, on va montrer aux enfants national géographique. Je lui ai dit, je veux voir quand même. On regarde, elle a emprunté à une copine le lecteur de DVD qu'on n'a pas chez nous. Et je regarde. Terrible. Affreux. Moi, en avoir le corps brisé. Un phoque. Je vais raconter, non? Mais non. Un phoque dans un lac, comme ça, et un phoque, tout saute comme ça, et qu'on voit derrière lui un orque. Un orque, c'est entre le requin et la baleine. Ça fait peut-être 8 mètres de long, une mâchoire grand comme les bras, comme ça. L'orque, tac, tac, et le rat, tac, le phoque, tic, et le phoque qui ressort, tic, juste après, il le rate, tic, il se ressort, tic, il le rate. 5 minutes comme ça. À la fin, dernière image du film, le phoque, et alors, tac! Et comme ça, le film s'arrête. Donc, quand tu vois le phoque, demi-phoque dans les dents, crrr, tu montres ça à un gosse, c'est super traumatisant. C'est une violence. C'est cruel. Et le type qui est insensible, qui sache qu'il a un problème, c'est cruel. Ça ne se fait pas un truc pareil. On montre ça à des enfants. Est-ce qu'ils ne le savent pas déjà? Tu m'as compris. Les enfants ne voient pas. Les enfants propres ne sont pas sensibles à ça. Ils ne voient pas des choses pareilles. Mais ils savent bien que dans la nature, il y a des pères. Savoir. Moi aussi, on sait que les animaux, ils se dévorent. Mais voir ça, c'est cruel. L'image, elle touche beaucoup plus. L'image, c'est une chose de sexe. C'est ce qui parle le plus au... Pourquoi c'est tellement important, Mishmer Atenaï? C'est les yeux, c'est proche du cerveau, dit Razal. Ça rentre, ça, les images sont marquées profondément dedans. Ça va changer quelque chose si elle a vu à la télé ou si elle a vu en réalité sur un bateau la petite fille et elle a vu un or comme ça manger, ça change vraiment quelque chose? Je crois que c'est pire sur en film. Je sais pas, je trouve que d'abord, tu as l'image qui est arrêtée, donc tu vois bien. Quand tu as vu ça, tac, terminé. Ça a pris une seconde. Là, tac, arrêté avec les dents, vraiment la position super. Avec des fois la musique qui est derrière. C'est Hachem qui a créé ça, il a créé que l'or qui va manger. C'est Hachem qui a le cancer. Adolf Hitler. Le lion, il va bouffer les gazelles. Les... Hachem a créé que dans la nature, le plus fort dévore le plus faible. Adolf Hitler a dit ça. A dit qu'il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature,
Le plus fort vainque le plus faible. Donc on doit aller comme la nature. On prend tous les enfants, tous les Mongols, tous les psychiatriques, on les gasse. Voilà. Ça, c'est naturel. La Torah, elle est antinaturelle. J'ai des pulsions cruelles en moi, j'en ai. Des pulsions de violence, de maîtrise. Je dois au contraire tout faire pour les juguler et les faire disparaître. Des pulsions sexuelles aussi. Elles existent, elles doivent, on doit les canaliser pour les choses qui sont importantes. Des fois, il faut être cruel. T'as ton gosse qui pleure maintenant et il veut une cinquième glace. Je lui dis non, il se met par terre en hurlant. Et sa mère dit non, donne-lui. Non, faut être cruel, non. Mais t'es cruel, il pleure comme un fou. Là, faut être cruel, des fois oui, faut être cruel. Mais maintenant, cruel pour rien, ça m'enseigne à être cruel avec mon prochain. C'est naturel, c'est vrai, le monde goy, il est là. Qu'est-ce que signifie goy? Goy signifie corps. Corps signifie de, j'ai des pulsions, voilà, l'amour spontané. Regarde dans les arguments de vente. Tout ce qui est naturel et spontané, ça sent beaucoup mieux. Shampoing naturel. Non, fais-moi shampoing sophistiqué. Ça marche pas. Naturel, spontané. Parce que c'est l'émotion primaire de la behema, de la partie animale qui est en moi. C'est naturel. La Torah, elle est complètement non naturelle. Que gérer par la tête. Mais pas sans sentiment. Ma tête dira maintenant, il faut actionner le sentiment pitié. Pitié. La tête me dira maintenant, il faut actionner le sentiment amour. Amour. Maintenant, cruauté, cruauté. Mais c'est géré par la tête. Ça, c'est juif. Le corps n'aime pas ça, être géré par la tête. Moi, j'aime aller comme j'ai envie. Spontané. C'est goy. C'est goy comme notion. Et ça amène, dans l'extrapolation, ça amène à Hitler. Complètement naturel. Complètement naturel. Si vous avez eu une émission sur la géographie cachère, vous auriez prévenu vos enfants de regarder ? Pourquoi pas ? Avec plaisir. C'est pas justement une porte ouverte, je pense, pour le... S'il n'y avait pas dans le monde Internet et les films et tout ça, on sera très bien arrangé sans. Mais il y a dans le monde. Donc tu es obligé de quand même donner la contrepartie en cachère. Sinon, ça peut faire l'éducation, c'est un fil très fin. Si tu fermes trop, ça fait rébellion. Si tu donnes trop, ça fait qu'on est trop attiré. Il faut beaucoup servir, beaucoup d'aide du ciel. C'est pas tellement nous que gérons. Il faut beaucoup prier là-dessus, être fin, faire Hashem Shamaim. On espère que Dieu nous aidera à ce moment-là. Parce que c'est très très difficile, très difficile. Mais bon. Tant que c'est caché, les enfants ont envie de voir. Difficile de dire non, c'est caché. Laisse-le caché. Les dessins animés aussi. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. Il y a des dessins animés aujourd'hui qui sont pas cachés. Je connais pas très bien le. J'ai pas le temps d'aller les regarder. Tu me dis qu'ils sont tous pas cachés. On nous a amené il y a 2-3 ans, ou il y a 4-5 ans, je sais plus, Mary Poppins. Mary Poppins, c'est l'angoisse. Mes filles regardent toutes, elles ont toutes regardé Mary. Je dis, je vais voir aussi Mary Poppins. C'est un film antisémite. Inimaginable. Inimaginable. Mais tu vois, et ça passe inaperçu, mais quand tu regardes avec les yeux de vérité, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est quoi l'histoire? T'as le papa qui est banquier. Super, quel anglais, machin. Hein. Puis t'as Mary Poppins, qui est la nurse, qui vient, qui va lui faire découvrir maintenant aux enfants, et aussi au papa, hein, l'éduquer maintenant à la vraie sens de la vie. D'abord, on s'éclate, on rit, on flotte de rire, d'accord, on sait pas ce qu'il y aura demain, mais comment, enfin, il faut... Non, naturel, insouciant, laissez le corps parler. Déjà, le message, déjà, c'est anti-Torah. Maintenant, le vrai méchant dans l'histoire, c'est pas le papa, c'est le boss du papa, le directeur de la banque. Et tout, on ne sait pas c'est qui au début, mais tout le monde tremble de lui. Et le père a réussi à organiser à son fils, qui a 5-6 ans, une rencontre avec le directeur de la banque. Tout qu'on voit, un livre, une barbe blanche, des lunettes, un rabbin qui lit le Talmud. Avec un autre à côté, qui parle comme ça, comme deux talmudim en train d'étudier. Ils se lèvent, ils n'ont pas de kippa. On ne s'est pas trompé de. On s'est pas trompé de film, c'est bien ça. Mais ce n'est pas des rabbins, c'est le directeur de la banque. Barbe blanche.
dans un bouquin avec un autre à côté en train de faire comme ça avec le doigt. Regardez ces deux étudiants de Talmud, deux rabbinés, mamache comme ça. Juif, la tête de juif. Sans la kippa. Exactement. Super avide d'argent. Et t'as une scène où le gosse, il a trois petits sous comme ça. Et c'est pris comme ça, la caméra prend comme ça le point de vue du gosse par rapport aux deux, le directeur de banque qui va comme ça, donne-moi, il veut mettre, et pour mettre dans l'épargne, donne-moi tes petits sous, donne-moi tes petits sous. D'accord, comme ça. Exactement. Et tous les stéréotypes antisémites. Gripsou, le directeur de la banque, la juiverie mondiale, Rothschild, les, chefs, les directeurs de banque mondiale qui vont voler les petites économies du petit enfant de 6 ans sans aucune miséricorde. Qu'est-ce que tu entends comme message ? Antisémite. Même des dessins animés, c'est... Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ma fille m'a dit que... Elle a reçu beaucoup de messages qu'elle sent en elle, d'accord, qui sont contraires à Torah par le dessin animé. Elle a quel âge ? Elle a 18 ans aujourd'hui. Elle me l'a dit elle-même. Ah ouais ? Hein ? Pinocchio, c'est un bel Chouba. Il essaie de faire Chouba et devient un vrai petit garçon à la fin. Peut-être c'est bien, je sais pas, je me souviens plus, il faut aller voir. Tous les messages du tous les films où vient le prince charmant sur son cheval, d'accord, la belle au bois dormant, la belle et la bête, qu'est-ce que je faut que je me rappelle maintenant, nous c'est à minuit là qui se passe, Cendrillon, d'accord, voilà, etc. Les sept petits nains, comment, Blanche-Neige, toute la même histoire, d'accord, toujours. Le chidour, d'accord, le mari qui vient sur son cheval blanc. Attends, son avare, elle voit non, avec Ivan Sagmara, noir et blanc. C'est pas lui que j'attendais, vous voulez sur le cheval blanc, d'accord, ou en Porsche, ouais, aujourd'hui. C'est tous des messages tordus. Terrible. C'est le moins pire quand on parle dans les autres choses. Le monde du mensonge, le monde, je raconte, même une pub, j'ai dit à ma fille, je te donne 10 chèques, tu me trouves maintenant, il y a une revue de pub, une pub sans mensonge. C'est tout du mensonge. Dans Internet, c'est que ça, toute la journée. Nos grands d'Israël ont interdit, c'est-à-dire qu'ils comprennent à quel point, quand ils disent que c'est interdit, c'est difficile. Ils partent en guerre contre une chose, contre un monstre énorme, mais dans toute leur... conscience et leur sainteté et leur discernement des choses importantes, ils ont dit, ils ont créé une croisade contre Internet. Et on va dans leur sens. Depuis que j'ai interdit ici Internet à la Yeshiva, les ordinateurs et tous les iPhones, etc., ça va beaucoup mieux. Vous trouvez pas que ça va beaucoup mieux ? Ceux qui étaient accros, tout ça, vous ne vous rendez pas compte que vous avez... Moi, je vois sur vos têtes, je vois un peu de Kedusha, un peu plus, on va dire. Il y a encore les Ben Yehuda, des trucs tordus. Ok, mais moi, c'est moins pire... C'est clair, c'est évident. Plus les spams et les trucs comme ça, tout c'est super dangereux. Comment il fait Schmart et Naïm, tac, il a un spam. Combien d'années il lui faut maintenant pour oublier ça? Combien d'années? Combien ça marque? C'est pas que t'as vu le mollet d'une femme dans la rue ici à Ramot. Bon, Hachem, j'ai jamais eu ça sur mon Blainara. Sur mon ordinateur, je ne vais pas en voir, mais j'imagine ce que ça peut être. C'est des choses qui sont faites pour attiser au maximum les pulsions de l'homme. Et tu tombes dans le panneau de pression bêtement. Rabbi Akiva n'a pas tenu, toi tu vas tenir. Il faut oublier l'argument, moi ça ne m'arrivera pas. Chazal ont interdit des choses à cause des fois des risques de chute très éloignés. Et comment ils ont compris la gravité, ils ont interdit. Et l'âge capable, c'est vrai. À part le... Tu parlais des femmes, je pense. Ouais. Les hommes, ils peuvent comprendre, mais pour les femmes... C'est d'abord, le grand danger de la débauche pour les femmes, il existe aussi. Ça devrait suffire. En plus, ce que je dis, le monde du mensonge. Le monde du mensonge. Elle va s'identifier, elle va s'identifier à ce qu'elle voit, les articles qui sont vendus, les femmes comme elles sont présentées. C'est certain que tu fais rentrer tout le monde goy chez toi.
c'est clair. Moi, je ne comprends pas sur Instagram d'Internet, parce que moi, je vois pas ce qu'il y a à regarder là-dedans. Le mec, il y a rien d'intéressant. Si ce n'est des informations, je ne sais pas trop quoi. Mais les gens, vraiment, ils ont un Instagram. On m'a dit que les psychologues américains ont dit que c'était exactement égal à de la drogue. Que conseillez-vous maintenant à ces personnes pour s'écarter de ce Instagram? Une désintox, comment faire des intox? Ouais. Dans tous les centres de désintoxication, c'est très bien. Première chose, qu'il n'y ait pas de cam à proximité. On les fouille, on les regarde, parce qu'on sait que même ce type, il ne veut pas, il ne peut pas. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait toutes les drogues possibles, imaginables, depuis 30 ans, il est encore donc complètement dans la mouise, d'accord? Il m'a dit, c'est impossible de rester dans la maison. Tu sais que tu as une seringue dans le frigo, d'héroïne, hein, on parle pas de n'importe quoi. C'est insoutenable. Tu peux pas te retenir. Toi et moi, une seringue dans le frigo, c'est pas très... C'est pas du tout attirant. C'est une folie. Donc première chose, éloignez-toi. D'où les centres, pour qu'on les mette dans des centres de désintox. Parce qu'on sait que bien qu'il veuille s'en sortir, s'il est dans son cadre où il peut avoir de la cam, il retourne en panneau, même s'il ne veut pas. Donc tu prends Internet, par la fenêtre. Parce que maintenant les femmes elles ont 10 000 arguments. Oui, mais moi je vends des recettes dedans, moi j'ai discuté avec ma mère, avec mon vaccin. Donc elles n'ont pas le courage de jeter les trains. C'est vrai. On va leur dire quoi, qu'au lieu qu'elle va aller avec un autre homme, elle va dire bon, elle se fait confiance en moi. C'est difficile, on peut pas leur. Les grands de la Torah ont dit. C'est bon comme argument, non? Meilleur argument. Ça vous a également aussi être un cacheur. Ils ont autorisé Native au travail. Paris-Mon. Ce sont des contrôles parentaux de Native. En fait, c'est une checklist, quoi. C'est que tu t'inscris là-bas et ils te disent quel site. Tu dis quel site tu veux, ils vérifient si ça va et te donnent l'accès. Donc un site où tu as des choses qui ne sont pas bien. Pas pour les particuliers, ça c'est juste pour ceux qui ont besoin d'un. Ouais, au travail, ils en ont. Qu'au travail. Parce que pour la maison, je ne comprends pas. Comment faire ça là? Le gosse, il appelle maman, je suis occupé. Je ne comprends pas. Une mère doit s'occuper de ses enfants. Un mari aussi, il rentre à la maison, il doit s'occuper de sa famille. T'as Internet, c'est un intrus dans la maison. Et il prend de la place. Il a tellement de temps pour sa famille, on n'a pas de temps pour sa famille. En plus de temps qu'on a maintenant, il passe dans Internet, qu'est-ce qu'il reste? Alors le gosse aussi, on m'a dit, moi aussi je veux Internet. On met Internet dans sa chambre, chacun a son Internet tout seul, voilà, c'est sa vie. Quel monde c'est? Bah, au Khadona, il y aura vraiment une main, mais...